Bonjour YouTube, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Notre mission? Trouver la fille du président, emprisonnée dans une église par des pégus, contaminée par un parasite chelou, qui d'ailleurs est aussi en nous. En moi, j'ai un parasite. Si vous avez un parasite en vous, et qu'il sort dans 9 mois, ce n'est pas un parasite, c'est votre enfant. C'est presque pareil. Je vais essayer cette échelle avant de prendre la trappe qu'on a vue tout à l'heure. On a bien fait. Mais descends, bon Dieu! Est-ce qu'on a déjà marre de Ashley? Bah, je sais pas. Je l'ai pas trouvé, Ashley. Tu viens de me dire qu'on va trouver Ashley et qu'elle va être avec nous? Et c'est avec elle que je vais pouvoir passer les trucs où il fallait être deux? Est-ce que tu viens de me spoiler ça? Dans ton premier message en arrivant sur ce stream? Prends ton temps pour répondre. Ah, d'accord, c'était juste pour ça. Les prochains mots détermineront ta destinée. Tu peux encore te repentir. Ah oui, mais pour aller dans l'église, il me fallait la clé et on avait trouvé un message comme quoi c'était au... Et merde. Il savait pas, Pichoun. Bah, il savait pas, il savait pas. Moi, je savais pas qu'il y avait... Je sais plus son nom, là, j'ai oublié. Mais surtout, vous devriez savoir qu'il faut pas donner d'informations. Ne spoiler rien. Ne spoiler rien. Ça brûle? Ça brûle. Bon, je pense quoi du jeu? Pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est, y a un bon rythme. Tout va bien. Content de jouer en standard et pas en difficile. Je suis désolé, t'as pas pu me voir. C'est pénible Jean-Guy, c'est vraiment pénible Jean-Guy. Hein. Oh, je peux récupérer mon carreau. Carreau dans le cul. Non,
Mais... il me court après là. Non! Ils font pas très mal les carreaux là, il faut augmenter la puissance du bazar. Mais c'est vrai qu'on les récupère. Putain, la vipère. J'arrive! Deux vipères sur trois pour la mission secondaire. J'arrive sur un coup de pied vraiment. Oui, les coups de pied, ils sont vraiment violents. Je te confirme. Il est où? Vite, 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 coup de pied! Bah... Ah, faut pas... Faut aller vous plaindre à votre supérieur, hein, c'est pas moi, là. C'est pas moi. On a vu en intro qu'il a suivi un entraînement énervé après Raccoon City. Ah bah oui, oui. Mais tant mieux, j'aime bien. C'est l'autre qui lui a tiré le feu, là. Mais pourquoi j'arrive pas à lui tirer dessus? C'est bon, il va cramer. La personne de tout à l'heure, du coup, qui a spoilé, n'a pas réécrit de message. Je sais pas si tu es encore là, mais ne t'en veux pas trop. Ça se trouve, c'est même pas un spoil. Je crois pas que t'aies réécrit de message, donc ça m'embête. Faut pas que non plus que tu te sentes attaqué.
Non, non, descends. Il a été traumatisé. Bah oui, je pense, oui. On n'est pas du tout sur les nerfs. Bah oui, mais en même temps... Bref, si jamais la personne nous écoute... Sache qu'on ne te le pardonnera jamais. Comment on va tout en bas là? Je crois qu'il y a une erreur de mot. Ah, je me suis trompé. J'ai dit que je lui pardonnerai jamais. Une commu bienveillante. Attention, ça explose. Oh, ça va. On peut tous faire des erreurs. Et dans ces cas-là, vous dites sorry avec un petit smiley et tout est pardonné. Mais j'en fais des coups en mêlée, là, je lui donne des gros coups de pied. Mais pas vous! Oh là là! J'ai pas récupéré des carreaux. Les coups au corps à corps, c'est avec le couteau, tu veux dire? Parce que j'ose pas, des fois. Ah, une mission secondaire. Ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Ah bah c'est le gros bébé. Le gros bébé qui a un gros marteau. Non. Quelqu'un pourrait-il détruire ces médaillons bleus? La zone est polluée de leur présence. Ok, il y en a 5. C'est facile ça. Je recharge parce que je sens que je vais me faire attaquer. Va-t-on un jour tirer sur un corbac? Non, non! C'est pas vrai, je lui ai foutu 4 bastoses. Ah c'est bon, il est mort. C'est bon. Merci Auroria pour le 36e mois. Donne pas trop d'infos, Didouda, hein. C'est pareil. Hein. Mais effectivement, après coup, là, on aurait pu se dire, vas-y, grosse beubon dans les corbeaux. Oula. Ça grogne.
Ces bébous marteaux là? Si tu veux pouvoir tout acheter, j'avais besoin de te le dire. Je préfère pas avoir ces infos. Enfin, je préfère que vous partiez du principe qu'il faut pas me les donner, même si, tant pis, tu vois, si je regrette derrière parce que j'avais voulu ceci, cela. Je préfère que vous partiez du principe de pas me dire. Sinon, après, c'est difficile de juger quand est-ce qu'il faut dire, quand est-ce que machin. Ça, j'ai toujours pas, hein. C'est la deuxième fois qu'on tombe sur ça. J'ai plus de place. C'est ici les t-shirts trop serrés? Les t-shirts trop serrés? Ah, pour Léon là, qui est tout moulu? Ah oui, mais on regarde, on a des vipères et des machins là. Et un œuf. La pause est finie, je suppose. Oh la vache. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. Astuce du marchand. Cashback. Au lieu de laisser tes armes inutilisées prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et en profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas d'astérisques ou de petites lignes cachées, il n'y en a pas. Ah, intéressant ça. Pièce hexagonale. C'est un objet clé, j'imagine, ça? Oui. Jette un œil. Quelque chose va forcer... Bienvenue. Alors... Qu'est-ce que t'achètes? Alors, j'ai 16 000, c'est pas énorme. Hein. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Allez. Et voilà, comme tu l'as demandé. J'améliore le lance-carreau. Un petit peu de puissance et un petit peu de capacité. En quoi puis-je t'être utile? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Putain, je sais pas quoi vendre. Ou alors faut que je crafte. Enfin, j'ai beaucoup de ferraille. En fait, faut que je mette au coffre un peu de ferraille. Parce que c'est la poudre noire qui manque. Mais il veut pas mettre au coffre la ferraille. Je peux mettre les armes et pas la ferraille. C'est quoi ce coffre de gueux? Genre, je peux pas mettre l'œuf. C'est vrai, bah ouais, bah c'est chiant. Ça m'arrange pas, moi, ça m'arrange pas.
Hein, les vipères, c'est pour une quête secondaire, il m'en faut 3. J'en ai 2. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu. Peut-être que la troisième est ici. Mais faut pas que les vende. J'ai pas de petite clé. Tu veux dire qu'en fait, il faut que je les vende, entre guillemets, et ça me comptera 1 sur 3, et du coup je pourrais gagner de la place. Ouh. T'as tout fouillé? Bah... Toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Il y a ça aussi, là. Oula! Détruis les pirates et vise le meilleur score. Les armes et munitions sont illimitées et pour ne rien gâcher, c'est gratuit. En fonction de ton score, tu obtiendras des jetons qui te permettront de remporter des lots magnifiques. Insère tes jetons dans une machine à jetons pour obtenir un porte-bonheur. Ces machines sont remplies de trésors que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Truc et astuce, tu peux détruire plusieurs cibles d'un coup en tirant sur un bâton de dynamique. Dynamique. Attention, si tu tires sur un marin, les points de pénalité seront déduits. Certaines cibles nécessitent plusieurs tirs pour être détruites. Tire autant de fois qu'il le faudra pour en venir à bout. Lorsque certaines conditions sont réunies, les cibles bonus peuvent apparaître. Les conditions varient. T'as le gacha, quoi. Machine à jetons. Oula. Ne laisse pas le menu fretin te détourner du gros poisson. 3, 2, 1, allez! C'est ça qu'il faut tuer ou pas? C'est un marin ou un... Ah ok, ok. Merde! Voilà, c'est ça. Fin de la partie. Jetons d'argent fois 2. Ah oui, d'accord, je commence à comprendre. Ça suffira pas pour celle-là, je pense. Tu pas les beaux monsieur. Oui, mais lesquels sont vraiment beaux, en fait? Vous préférez les marins, là?
Ou les pirates avec le gros bœuf, le gros bidou. Bonjour Absol. 3, 2, 1, allez! Coup double! Toi, t'es un artiste, l'ami! Oh, j'aurais pu faire double là. Et c'est fini. Tu as un don pour ça, mon ami. 3, 2, 1, allez. Ça va vite. Merde! Ah mais d'accord. Non mais fallait le dire plus tôt que je pouvais... Oh j'ai tiré dans le marin! Oh c'était nul. Bon. J'ai vu personne avec une dynamite. Porte-bonheur. Vous pouvez accrocher des porte-bonheur à votre mallette depuis le menu Ma mallette. Dans machine à écrire. Hein? D'accord. Fréquence de bonus de création de munitions de pistolet plus 15%. Bon bah... Mais théoriquement, tu peux farmer ça à fond, là, parce que c'est gratuit et illimité. Une carabine te permet d'éliminer plusieurs cibles d'un seul coup. En revanche, la cadence de tir peut laisser à désirer. Ok. Eh ben, pas maintenant, mais intéressant. Mais il y a moyen de se booster à fond comme il faut là. Quelque chose va forcément te plaire. Un sur 30, ouais voilà, on pourrait farmer. En fait, faudrait avoir toutes les médailles. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah oui, alors du coup, attendez, on était sur cette espèce de... cette histoire de vipère. J'ai perdu. Vendre. Vipère.
J'achète tout et n'importe quoi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que ce sera tout ? Reviens quand tu veux, surtout. Ok, ok. Donc ça compte pour la mission. Moi, je pensais qu'il fallait que j'attende absolument d'avoir les trois. Et que si je les vendais, bah je foutais en l'air ma mission, en fait. C'est bien, ça me fait un petit peu de place. Ah oui, les jumelles. C'est quoi, c'est... J'ai pas bien compris ce qu'ils ont jeté. Le policier ? Wow. C'était quoi ? Salut, j'arrive un peu tard, mais comment vas-tu, Loul ? Loul. Merci, Frowar, ça va bien. Ça va bien. Effectivement, t'arrives un petit peu tard, mais... On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. J'espère que j'ai tout vu. Carburant pour le bateau. Nous avons rangé le carburant pour bateau avec celui du groupe électrogène dans le bâtiment des traitements de la ferme piscicole. Pas tout vu. N'importe que la quantité dont vous avez besoin. À la piscicole. J'ai cru que c'était la vipère, putain, j'ai eu peur. Enfin, en vrai, ça aurait été bien, mais... Il n'y a pas de carburant. Ils auraient pu faire le plein. Eh, mais les poissons... sont vivants, ici. Ah, 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 ah... De toute façon, j'en ai déjà croisé des trucs bleus. De toute façon, ils me le mettent sur la carte. Mais oui ! Mais non ! Mais quoi ? Est-ce qu'ils me les affichent alors que j'ai même pas mis un pied dans la zone ? Il y a un easter egg ? Faut tuer du poisson ? C'est quoi l'easter egg ? Je lance une grenade dans, dans l'eau. J'espère que je vais pas le regretter. Hein. Je tire dans l'eau ou je tire sur les poissons ?
Vaut mieux save avant l'easter egg. Oula! On va se faire bouffer! Je peux pas faire ma blague avec le zoom parce que... Bref. Merci. Dans ma gueule, l'easter egg. Le pire, c'est que c'est inutile maintenant, car il n'y a même plus de trophée pour ça. J'avoue, ils auraient pu mettre un petit trophée. Un spinel. Une spinel. J'en sais rien, en fait. Une herbe jaune. Ben ouais, mais j'ai pas de place, mon bon monsieur. C'est terrible. Ah, c'est bon, j'ai de la place. J'ai pas du tout de problème d'inventaire. Sur les carreaux là, j'avais pas une histoire de... de carreaux explosifs. Pourquoi j'ai pas les carreaux explosifs? Masculin, spinel, d'après le Larousse, Wikipédia a tort. Oh là là, bah du coup, ce sera IL spinel. Spinel non binaire. Vraiment, il dit zéro, là. Parce qu'en bas à droite, il y a attaché mine, mais je... Il se passe rien, quoi. Je sais pas. Ah putain! Merde, c'est pas ma journée. Bah il me semble que je l'ai acheté, oui, la recette. Oh,
Il y a un truc énorme, non? Oh! Oh merde, ça m'a pas soigné, j'avais pas mis de plante verte. Par contre, ça m'a augmenté le maximum. Bon, j'attendrai de prendre un coup et je prendrai le spray. Hein. Un petit cadeau. Nice. Et cogno. Que cogno. Mange l'œuf. Non, je ne mangerai pas l'œuf. Je vais le couver. Oula. Oh non, il se transforme. Fait chier. Ok, deux carreaux. Ouh, j'ai raté ma parade. Désolé, j'ai glissé. Mierda! Dégage! Elle était vilaine! Oh là là, arrêtez de parler japonais, on comprend pas. Nice. Oh putain, ça m'a fait peur. C'était quoi ça? C'était Steam? Putain, pourquoi j'ai eu un bruit Steam là? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça m'a fait peur. Je suis sur PS5 là, pourquoi tu joues à Steam?
Je me glisse sous vos ongles. Ça bip. J'ai cassé mon couteau. Je n'ai plus de couteau. Oh, je suis à l'autre bout là pour foutre un coup de pied. Ah, c'est bon. Hey! Et merde. Ça s'arrête jamais. Une petite flèche dans le, dans les bolo balls là. Ok, il y a des carreaux qui traînent, une greue et encore un médaillon bleu. Une pipe! Bello Pippo. Pepega aim, c'est quoi? C'est le piou piou piou. C'est quoi ça, le Pepega là? Belle pipe, Shinji. C'est le piou piou, ouais. J'avoue que ça aurait tout son sens là. Petite vipère. Bello Pippo va pas dire ça en Italie. Bah ça veut dire quoi? Si ça veut dire la même chose que Bello Bito. Bello Pippo. Enfin, Bello Pippo, bref. Bah, bah oui, bien sûr que Bello Pippo, ça veut pas dire belle bite. Belle bite. Je veux ma médaillonne bleue. Elle est où, médaillonne? Mais elle est là.
Belle bite. Bah, c'est pas ce qu'on envoie. Bon, j'ai même plus de mine. En réponse au dick pic, quoi. Très belle bite. Enfin, moi, c'est ce que je réponds, hein, personnellement. Faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire... Bref. Je pense avoir tout récupéré. Non, il y a une grue que j'ai pas, là. Je ne dois pas en recevoir assez alors. Envoyez. Enfin, je veux dire. Les gens qui arrivent sur le stream entendent ça. T'inquiète, ils ont l'habitude. Je pense qu'il n'y a pas un stream où on parle pas de bits. Un forastero. Allez, ciao. C'est un peu le fil rouge. Oui, enfin, un bon fil, tu vois, genre... une belle poignée. Ok. Putain, il y en a encore. Il est où? T'es rendu au musée de la bite? Non, c'est vrai que j'ai jamais fait ça. C'est en Islande, non? Parce que je suis déjà allé là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai souvenir d'un musée de la bite. C'était peut-être pas ça. Bonjour Lorraine, ravi que t'arrives sur ça. Peut-être que tu t'y connais toi en musée de la bite. Ouais, ok. Toujours pas récupérer cette putain de grenade. On va y aller. À un moment donné, on va récupérer la grenade. C'est carrément en Islande. Ah bah alors, parfait. Je suis allé en Islande, figurez-vous. Et j'ai souvenir, ouais, de un moment donné où on s'est dit « Eh, si on allait au musée de la bite ?» Et ça ne s'est pas fait. À mon grand regret. La grenade ? La grenade !
Ils exposent quoi dans ce musée? Eh bah, toutes les bites. De toutes les espèces. Oh, le jeu est top, moi j'aime beaucoup, ouais. Dans des bocaux, genre, bah, je sais plus, non, je t'avoue. Mais regardez sur YouTube, je crois qu'il y a... Il y a des vidéos, hein. Je crois que le grand JD est allé au musée de la bite. Bon, on a enfin fait cette zone, bravo. Attends, il y en a encore. Alors que Naked Yoga sur YouTube, c'est autre chose. Mais faites votre expérience Naked Yoga, écrivez ça sur YouTube. Je crois que c'est les serpents que j'entends. Hola! Ah, le carbu. Oh, je peux pas faire mon zoom, j'ai trop envie de zoomer. J'ai trop envie de zoomer sur ma gueule, là. Un œuf de poule. Encore. Bonjour baleine. Malheureusement, t'arrives quand même vers la fin là. Ça fait plusieurs heures qu'on est dessus et je pense pas continuer encore. Enfin, ça va être la fin là. Ça devrait me servir. Je suis désolé baleine, mais après, t'as plein de VOD à regarder si tu veux. Là, on va redémarrer le bateau. Mais en vrai, comment on y va? Parce que j'étais tombé, là. Attendez, c'est peut-être très con, ce que je viens de faire. Il fallait faire le tour. On aurait bien au marchand, moi, avant de... d'aller mettre du carbu. Encore une fois, merci à la notification qui n'est jamais arrivée. T'as pas eu la notification Discord, t'as pas eu la notification Twitch, t'as pas eu la notification Twitter. Salut, étranger, bienvenue. Je suis désolé. Mais tu peux regarder toute la VOD, elle est déjà disponible, elle sera... T'auras tout. Nothing.
Qu'est-ce que je faisais déjà? Vendre. Serpent. Parfait. T'es un vrai professionnel. Elle va pas te faire tuer, hein? Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai du spinel. Ah, oh, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. On achète le Punisher. On fout en l'air le petit pétard et on achète le Punisher. Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans ta poche? Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Oh, je peux vendre la pipe, c'est vrai. Merci. Pas mal. Une affaire bien conclue. Un choix judicieux. Les munitions de cette arme transperceront à peu près n'importe quoi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Je te souhaite bonne chance. J'ai réparé mon couteau. Et le petit pétard, est-ce qu'on l'augmente maintenant? Ou alors j'augmente... Faut que je fasse les flèches. Couteau, essaie ça, pour voir. Ça coûte très cher, mais le lance-carreau, effectivement, est très intéressant. Avec le fait que tu récupères les munes. Ça m'a coûté cher, mais je pense pas le regretter. Reviens quand tu veux, surtout. Je vais faire une sauvegarde tout de suite, mais on va aller voir le bateau. Ouh, toi tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Apparemment, je pue. La sueur et le sang. Ça sent l'homme. L'odeur du vrai mâle. Attends, parce qu'il y avait aussi un petit truc là. Mais il manque un morceau. Peut-être que le combat sent bon. Merci Rémi. Pas vu le début du livre, donc je fais juste un coucou. Bonne soirée à Brioche et Wild Art. Merci beaucoup et à Midgard Delta. Je crois que j'ai raté une bonne partie du jeu mort de rire. J'aurai le temps de rattraper sans redire pendant mes vacances Brioche Touille. Merci beaucoup. Vous aurez le temps de rattraper, sachant qu'on continue le jeu la semaine prochaine. Vous avez le temps. Et que là, on va s'arrêter très très bientôt. Le combat contre gros poisson, non?
là. Moi, je regarde le spectacle. Hein. J'attaque pas. Pas de cadavre. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Attendez, parce que... Rappelez-vous, il s'est fait... contaminer, hein. Par le parasite chelou. Chapitre terminé. Ne serait-ce pas le moment idéal pour s'arrêter? Pas de cadavre, pas de mort, c'est la règle. Oui, c'est ça. Il est possible que la bestiole revienne. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour YouTube et pour cette session aujourd'hui. Des bisous à YouTube, on se retrouve... Donc là c'était le chapitre 3, je crois. On se retrouve pour le début du chapitre 4. La semaine prochaine, hein. Du coup là je dis ça pour Twitch. Si vous voulez voir la suite, ce sera a priori dans la semaine prochaine ou 6 jours ou tu vois quoi. On fait pas un marathon, genre c'est pas demain on fait la suite ou dans 2 jours on fait la suite. On laisse le temps de se reposer, le temps que j'oublie bien le gameplay, comme ça quand je reprends, je suis de nouveau très mauvais comme au début. Parfait, tu vois. Voilà, on en a pour tout le mois d'octobre, vous en faites pas, on a le temps. Donc des bisous YouTube, à bientôt.